Donc j'ai décidé de partir dormir dans la forêt, enfin dans la nature, pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Donc je me suis mis dans la peau d'Aran, dans la peau d'Aran. Alors j'ai pas pris cher. Alors j'ai une gourde avec de la esti. Alors j'ai pas pris cher. Voilà. Brûlé. Voilà. 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 Donc maintenant il mettait ça sur un caillou. Et puis ça indiquait la direction. Quand le slip, ça rentre un peu. Il devait avoir des cailloux spéciaux. Parce que là, ça tombe. What you say? That you only meant well, well, cause you... Reviens. What you say? That you only meant well. En plus, ça glisse. On va dire que je vais aller par ici. Allez, c'est parti pour avancer. Ah, ça pique ça. Je vais passer par l'autre côté. Et Raran, c'était un chasseur. Et du coup, il repérait les traces pour savoir où est-ce qu'il y avait du gibier. Bon, là, c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de... Mmh. Ben, je sais pas, un troupeau de quoi? Un troupeau de bananes. C'est Émile Seloun, le sosie officiel d'Eli Semoun. À retrouver tous les mardis à 17h30 au camping de Saint-Pierre-en-Faucigny. Un troupeau de bananes. Ça, c'est fort.